Bienvenue dans cette nouvelle aventure, ici Morgan Priest et le Maccabé. Évidemment. Donc c'est reparti pour, comme je le disais, une nouvelle aventure. Et cette fois-ci, on est venu ici parce qu'on a reçu un témoignage absolument exceptionnel. Nous sommes proches d'une route, comme vous l'entendez, il y a une voiture. On n'est pas encore aventuré réellement sur le lieu, ça n'a pas tardé. Il y a une histoire incroyable de vampires ici. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? On va tenter de le détecter, mais il y a eu en fait plusieurs témoignages, mais un témoin qui est venu nous voir pour nous dire qu'il y avait un manifestement. Voilà, qui l'aurait agressé. Et type vampire, voilà. Voilà, donc on s'est armé, vous allez voir ce qu'on a pris. C'est encore une nouvelle aventure pour nous qui commence. Peut-être pleine de rebondissements, en tout cas, on va mettre la gomme, on va mettre le paquet. S'il y a plusieurs témoignages dans ce lieu-là, je pense pas qu'il y ait que des menteurs, je pense pas qu'il y ait que des rêveurs, n'est-ce pas? Tout à fait. Bon, suivez cette aventure, on vous invite dès à présent à partager cet épisode, même s'il ne fait que commencer. C'est parti. J'ai entendu quelque chose par là. Eh ben on y va. C'est parti. Alors désolé s'il y a beaucoup de vent, mais on ne contrôle pas ce vent soudain là qui est à peine où nous sommes arrivés, en fait le vent s'est levé. Ouais. Comme si en fait on ne devait pas être là quelque part. Bon, bien sûr on peut dire que c'est le hasard, etc. Je ne sais pas. Attention, c'est très marécageux apparemment. Ok. Il y a une route par là. Ouais. On va essayer d'emprunter là. Oh, il y a des poissons, t'as vu? Ah ouais, bon. Ici, il y a des... Des gardons. Ouais. Et tout ça, oh, il est gros celui-là. Ouais, c'est incroyable. Il y a des brèmes. Ça, c'est un orque. Ouais, j'y connais rien, mais... Ça se voit que j'y connais rien? Ouais. Ouais. Donc, ça peut prêter à rigoler, encore une fois, vampire. Mais si vous cherchez sur internet le nombre de témoignages de personnes qui ont vécu des histoires vampiriques, c'est absolument hallucinant. Alors bien sûr, il y a beaucoup de folklore dedans, mais peut-être pas que. Alors là, on traverse, vous avez vu, c'est super, un champ d'ortie. Enfin vraiment, l'ambiance est là, hein. Tu trouves pas? Ouais, c'est... J'espère vraiment que le vent ne pose pas de problème au niveau du micro. J'ai ce qu'on appelle une dead cat, donc ça protège un peu du vent, mais... Donc, veuillez m'en excuser d'avance s'il y a un problème. Tout va bien? Ouais, ça va. Bon. Mais il y a des... T'as entendu des bruits, quoi? Ouais, ouais. Et avec le vent, ça les couvre un peu. On va essayer d'avancer par là, je pense. C'était, il doit peut-être y avoir des bestioles aussi là-dedans, donc faut pas se laisser impressionner aussi rapidement. Donc assez traditionnellement, hein, nous avons le sacramental, c'est-à-dire la croix. Hein, Maccabé, tu peux la montrer à notre audience. La fameuse croix, voilà. Voilà. On les accompagne à chaque fois. Et bien sûr, on a pris aussi notre matériel au cas où. Mais ça, c'est la petite surprise. Je trouve pas que ça pue ici. C'est quoi cette odeur? Ouais, c'est bizarre. Tiens, viens, on va passer par là. C'est lugubre. Et ça pue. Ah, il y a une odeur bizarre, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Des caissons de bouteilles. Ouais. Ils peuvent pas s'empêcher de balancer leur merde ici. Oh. Putain, mais ça pue là. Ça pue le Maccabé. Le mort, ouais. Sans mauvais jeu de mots. Ouais.
On va essayer d'avancer. C'est le mort en fait. Il y a peut-être des animaux qui viennent ici crever. Ah, regarde. Quoi ? Vive la France. Puis au fond là. Donc la voiture n'est pas très très loin parce que on a du matos dedans. Donc là on est vraiment aux abords d'un lac complètement abandonné en fait. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un truc d'eau. On entend quelque chose là. L'eau ne passe plus depuis un moment ici. Hein. Non. Est-ce qu'il y a une créature ici ? On vous appelle comme ça. On dit que vous êtes un monstre. On dit même que vous êtes un vampire. C'est là qu'il y a un peu d'eau qui sort. C'est pas un vampire, non ? Sans abri. Ouais. On va voir là-bas. Sortez de là, je vous ai vu bouger. On vous a vu. Allez, sortez. Vous pouvez sortir. On vient en paix. C'est quoi, je sais pas pourquoi j'ai envie de retourner vers l'endroit où ça sentait le mort. Ouais, si tu veux. Tu vois, c'est quand même bizarre quoi. Il doit y avoir un cadavre d'animal ou plusieurs même. Ouais, pour le cas, on tombe pas sur un cadavre de. D'humain. D'humain. Bah là on va direct au flic. Bah ouais. Bon on y va ? Parti. Ouais, c'est drôle, plus on s'approche. Ouais. Ça sent une odeur de mort. Voilà. Là, je suis pas rassuré. Ah, c'est un peu de ouf. Oh la vache. Putain. Vous êtes ici. T'as entendu ce bruit ? Ouais, j'ai entendu, ouais. C'est pas rassurant du tout. Hein. C'est peut-être une bestiole, ça. Je sais pas, mais en tout cas, c'est... J'ai l'impression que ce soit humain. Putain! C'est quoi ça? Je sais pas. Ça vient de l'autre côté? Ouais, je sais pas. Ouais.
Seigneur Jésus, protège-nous, protège-nous. Il y a quelqu'un ? Hein ? Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est pas, ça n'a pas l'air d'être humain. Je serais tenté d'aller prendre l'arme, là. Tu vois. Ouais, je crois aussi, ouais. Enfin, les deux armes, même. J'ai cru voir quelque chose. De quoi ? J'ai cru voir quelque chose. Fais bien attention à toi quand tu marches. Fais bien, fais un trou là, ma cabine. Putain, ça chlingue, ça chlingue, ça chlingue. Ça va ? Ouais, ça va. C'est quoi ça? Pars-toi, pars-toi, pars-toi! Pars-toi! Putain! Putain, 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 merde, bordel! Viens, 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 c'est par là! Oui, oui. T'as vu cette gueule? Ah, ouais! Faut qu'on se casse! On va chercher nos armes! Fais gaffe au trou! Fais gaffe au trou! Tu l'as filmé? Oh là là! Tu l'as bien vu ? Monstrueux. Tu l'as bien vu ? Ouais. Prends quelque chose. Tu ne peux pas prendre le risque là de... Non, c'est pas possible. De... Tu peux rester ici. C'est un truc de taré là, ce qu'on a dit. C'est quoi ? C'était quoi ? C'était un vampire. Il avait du sang plein la gueule. Sérieux ? Ah ouais. J'ai vu vraiment la gueule grise. T'as vu les mains qu'il avait ? Monstrueux. Oh la vache. Faut absolument qu'on prenne quelque chose. Moi ouais. Je te jure, j'ai focalisé sur sa gueule grise en fait. Ah ouais ? C'est surtout ça que j'ai vu. Moi j'ai vu les dents et les mains. T'as vu du sang ? Ouais. Ouais. Il en avait plein la gueule. Tiens, on va s'armer. Ouais. On fait comme tu le sens, si tu veux rester ouais. Ou si tu veux partir, tu le dis quoi. Bah, moi je me dis que faut essayer de rester, mais il faut être armé là, parce que c'est pas le genre de choses qu'on rencontre tous les jours. Je vais je vais reprendre la caméra, on ouais. Va aller s'armer. Ok. Ok, ça marche. Reste à côté de moi, reste pas derrière, on sait jamais. Ouais. Ça va ? Ouais, ça va, ça va. Je suis juste un peu choqué. Bon, on est retourné à la voiture là, on est assez loin du lieu. On a de l'eau bénite. De l'ail, c'est très réputé pour repousser les vampires dans le folklore. On verra ce que ça donne. Et une arme un peu plus violente, des nunchaku artistiques. Voilà. Donc c'est des nunchaku en bois, un vrai bois. Donc ça, dans la gueule, ça peut faire quelques dégâts. Voilà. Donc on est avec le Christ, mais on est aussi avec des armes. Ok ? Et toi, Maccabée, ouais. T'as ramené une arme aussi très spéciale. Oui, tout à fait. Okay ? Tu me passes ta caméra et okay. Puis tu vas montrer ça. Ok, ça marche. Voilà. Alors montre ce que tu as pris. Voilà. C'est un pieu. D'accord. Donc là, on est vraiment dans le pieu super massif. Pourquoi Yann, tu nous expliques ? Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, l'idée, c'est d'embrocher la créature et en fait, d'appuyer l'arrière du pieu pour après la monter en l'air et la laisser comme ça. De façon qu'en fait, une fois que le soleil arrive, ça la crame. Ouais. Voilà. On va tester ça. Ouais. Hein, donc là, à cause du clou, il peut pas aller plus bas. Hein. Non, c'est ça, voilà. C'est parti. Oh, tu vas où là ?
barre. Oh, t'es où? T'es parti où? Putain! Il s'est mis hurler, il s'est paré ce con. Allez, viens! Oh! Putain, il s'est retrouvé là avec quelque chose, merde. J'y vais. C'était quoi ce hurlement? Oh! Viens! Pourquoi il s'est mis à courir comme un taré avec son pieu? Je sais pas où il s'est barré. Il a hurlé comme un taré. Je sais pas ce qui se passe. T'es où? Oh! Oh! Le son déconne, j'ai l'impression là. Ça déconne. Qu'est-ce qui se passe avec l'image là? Oh putain! Oh! Qu'est-ce que tu fous? Elle m'a piqué mon blouson. Putain. Qu'est-ce que tu fais avec ces vêtements de Bee Gees de merde? Mais c'est mon truc, t'emmerdes. Putain. Eh mais qu'est-ce que tu fais là? Non sérieux, c'est un truc de ouf ton histoire. Nous avons aussi des lampes, t'enculé. Attends. Je pose la caméra. Je viens t'aider, attends. Panique pas, t'inquiète pas. Putain. Vas-y, viens. Ça va? Ça va? Allez, viens. Enfoiré! Il m'a piqué mes vêtements, je le tue, enculé! Il est où ton blouson? Il m'a piqué! Ah, non, il est là! Non, il est pas là! Il a rigolé, il s'est barré avec! Il a rigolé, il s'est barré avec! Putain! Ah, il m'a mordu! Il t'a mordu? Ah, il m'a mordu! Viens, on se casse! Allez, viens! Vas-y, viens! Prends ta lumière! Allez, go! Tiens-moi ça! Ah, je te fous au chien là! Je vais prendre la caméra! Je prends la caméra! Allez, on se casse! On est où là? Là, c'est bien, viens. Viens, on se casse. Ah, je suis déglingué, ce connard. Viens, on se casse, allez. Vas-y. Saloperie de merde. Vas-y, speed. Putain, c'est quoi ce délire? Hey, il est où ton blouson, mec? Ah, il m'a piqué, son foiré, et puis c'est marré en plus, il barré avec. Oh là. Putain, tu m'avais caché que t'avais un sweat de merde comme ça en plus. C'est mon truc porte-bonheur de Johnny Hallyday. Ça veut faire, ça veut tout. Vas-y, on s'en fout, allez. Vas-y, on s'en fout de Johnny. Hein. On se casse. Allez. Vas-y, on se tire. Putain, c'est sûr, là, les gens vont se foutre de notre gueule, là. Ils vont se marrer. Putain, allez, on se casse. Ah, je vais lui défoncer. Tiens, c'est par là, tu vas où? Ah, je pisse le sang, là. Tiens, allez, viens, on se casse. Hein? Allez, vas-y. Allez, viens, on se casse. Allez, viens. Allez, vas-y. Les gens vont se foutre de notre gueule, là. Surtout à cause de ton t-shirt, là. Ton sweat. Oh la vache. Allez, viens. Oh, je crois que je vais me chier dessus. Non, tu vas pas te chier dessus. Allez, viens. Putain, tu ressembles à un Bee Gees comme ça. Allez, viens, on se casse. Oh, je t'emmerde, Morgane. Hein. Oh, ça va bien.
Non, mais je déconne, il est bien ton machin, mais viens, on se casse. Allez, il n'y a pas de sang, il n'y a rien du tout là. Allez, viens, on se casse. Je te dis, c'est un truc Johnny Hallyday, ça. Je vais me le faire. Allez, Maccabé, on se casse. Oh, tu l'es. Il m'a piqué mon blouson. Il m'a foutu la honte en plus. On se tire. Foiré. Allez. Oh, puis je pisse le sang. Allez, viens. Oh, faut que je pisse. Oh, putain. Je suis désolé, je sais pas ce qui se passe. Allez, viens. C'est bon. On se tire de cet endroit. Allez, prends ton pieu, puis on se casse. Putain, comment t'étais à l'envers? Mais comment, il t'a projeté ou quoi? Mais il m'a pas lancé dans l'arbre comme ça, comme une merde. Il t'a déshabillé? Ouais, il m'a piqué mon blouson, il a rigolé comme une merde. Viens, on se casse. Allez, viens. Ah, ouais, c'est la fois trop. Là, tu vas voir sa gueule. Allez, non, on se casse. Allez, go. Ah, il m'a eu l'enfoiré. Ah, putain. Allez, vas-y. Ah, je pisse le sang. Ça va? Putain. Mets-moi un pansement là. Ah putain. Dans ta boîte à gants. Ouais. Il m'a bousillé ma. Ah, ma bousillée, ma santé, cet enculé là. T'inquiète, ça va aller. Je vais me transformer. Non, tu vas pas te transformer, t'inquiète. Alors regarde, je vais me transformer. Allez, vas-y. Faut le bousiller. Je sens que ça va mieux là. Allez. Attends, ça ne peut pas suffire, tiens. Je dois avoir ça, mais autour du truc là. C'est pas possible, je jure. Je n'ai pas piqué là, tu mets ça, tu m'entoures ça là. Vas-y. Tu me retournes la tête là. Je te serre à fond ou pas? Il serre à fond. Ah, mais attends, je peux pas trop serrer non plus parce que c'est que du PQ, ça risque de casser. C'est même. Je crois que c'est. En plus, c'est même pas du Moltonel donc. Laisse tomber. Oh, putain, de toute façon, on va se barrer. Merde, tu vois, ça a cassé. J'étais sûr que ça casserait. Vas-y. Allez, vas-y. C'est bon. On y retourne où? Allez, viens, on se casse. Allez, viens, on se tire. Je lui baiser sa tronche. Putain. Allez, viens. Non, on se casse là. Tu pisses le sang, putain. Tu pisses le sang. Je vais sortir mon arme. Fais voir. Eh, fais voir ton coup. Le pansement. Je vais défoncer sa gueule à la vinette. Je vais lui planter ça dans le. Dans le cœur, puis je vais défoncer sa gueule. Non, allez, viens, on se casse. Non, je vais pas laisser faire ça. On va quand même pas tuer un vampire avec une binette, allez. Je dis pas encore. Hein? Non, je vais lui défoncer sa tronche. Allez. T'es sûr? Putain, mais il est vraiment con. Il est vraiment con. Oh! Putain! Te barre pas comme ça encore! Merde, fais chier! Putain! Putain, le mec il est complètement instable quoi! Je vous jure, le mec il est complètement instable, laisse tomber putain! Qu'est-ce que je fous avec un branquignol pareil? Le mec c'est un Bee Gees! Laisse tomber, attends! C'est la dégaine de Casimir! Putain, mais c'est. Il se barre en courant le mec! Avec sa binette là! Oh là 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 là! Oh! Putain! Où est-ce qu'il est ce con? Oh putain! J'ai jamais vu un mec aussi instable! Il s'est quand même pas cassé la gueule dans l'eau ce con! Putain! Non, il s'est pas cassé la gueule dans l'eau, c'est impossible! Je vais faire tout le rebord là, mais c'est pas possible. Putain, il a dû se faire enlever par le vampire. T'es où là?
Pourquoi tu te barres comme ça, comme un taré? Putain, c'est un truc de dingue cette histoire. Je vais goûter. Oh, je suis sûr que c'est du sang de Maccabée, ça. Ça, à mon avis, c'est du sang de Maccabée. C'est du sang humain, en tout cas, je reconnais le goût. Ça m'étonnerait qu'il aurait tout fait pour pas se laisser plonger dans l'eau, parce que déjà qu'il sait pas nager, il a peur de l'eau, c'est l'une de ses phobies. Et parce que quand il était petit, il m'avait dit que il s'était fait noyer, que ses parents avaient essayé de le noyer, et après ça l'a traumatisé, quoi. Donc, parce qu'il n'a pas eu une enfance facile aussi. Et c'est pour ça qu'il est un peu dérangé, quoi, en fait. Qu'il est un peu zarbi. Je sais pas où il est. Je sais pas où il est. Il s'est barré à perpète. Putain. Qu'est-ce que je fous ici, il est au moins 3h du mat. Oh! De merde. Putain, le froid est tombé d'un seul coup là aussi. Hey, Maccabée! Oh putain! Son masque. C'est pas possible, je t'ai bien vu tomber dans l'eau. Putain, c'est pas possible, il a emporté Maccabée. C'est pas possible, ça. Je regarde dans les arbres. Le masque est tombé des arbres, comme si la créature elle était volante. C'est une sorte de d'ovni vampire. Vous voyez ce que je veux dire? Oh là là. Je crois que je vais devoir aller au flic. J'ai pas le choix, je sais pas où il est. Je sais pas où il est. Je l'ai pas retrouvé, je sais pas où il est. J'ai même pas retrouvé ma binette non plus. J'ai retrouvé que son masque. Je pense qu'on le voit bien à la caméra, le masque qui tombe de l'arbre. Je vais... Il faut que je retourne à sa voiture. Il faut que je retourne à sa voiture. Je vais récupérer mes papiers. Je vais récupérer mon sac, mon... J'ai laissé mes bagues là-bas, j'ai laissé mon matos au moment où je l'ai soigné avec un pansement. Et après, je me tire, putain, j'ai au moins 5 km à pied, fait chier. Je vais me taper de la route là. Maccabée, t'es où?
Il s'est fait emporter par le vampire, c'est pas possible. Comment je vais pouvoir faire? Comment je vais pouvoir expliquer ça à sa famille, aux flics? Je suis désolé, je vais devoir couper là. Ça sert à rien que je vous filme la route de moi en train de marcher. Je sais pas où il est. Heureusement, tous les vêtements que je lui filais pour son personnage, ils sont chez moi. C'est... Au moins, j'ai pas perdu les vêtements. Mais lui, apparemment... je le reverrai plus. Putain, même s'il était quand même un peu... mentalement dérangé et un peu limité, il était quand même sympa, mais bon. Bon, on verra bien. Faut que je sois fort. Et Maccabée reviendra. Même si c'est... quelqu'un d'autre, Maccabée reviendra, je vous le dis. Bon, je suis désolé. Je vous laisse sur ces images. Il faut que... Je vais pas rester là toute la nuit. Là, je vous passe tous les détails, mais ça fait au moins trois quarts d'heure que je suis là. Il se passe rien, je sais pas où il est. J'ai regardé partout. Je sais pas où il est. Le vampire, là, a dû l'emmener quelque part. Dans son antre, ou je sais pas où. Je reviendrai. Je vous entends pour l'instant. Je vais aller à la gendarmerie. Vous voyez les lumières là-bas? Il faut que je me tape toute cette route à pied. Je vous laisse.